Monsieur le procureur général après la Cour de cassation, Monsieur Vondé, qui dit que Monsieur Rukende s'était tiré une balle. Bon, une seule balle. Je crois qu'entre les spéculations et le travail abattu par les professionnels, dont les médecins légistes et autres, du moment où les rapports rendus par la Cour constitutionnelle n'est pas contredit par les enquêteurs belges, sud-africains, américains, français et autres, on doit faire foi à ce qu'a dit le procureur général pour la Cour de cassation, parce que trop que nos contributeurs étaient, parce que ceux qui allaient faire que nous avions justice, il y a un moment de salaire qui m'enquête, à ce moment-là, tout le monde a dit non, il y a à manger, à boire. Voilà, non, c'était un arrangement machiavélique démoniaque. Les Kambere qui comment ma groupe ça binombo alors qu'il y a 345 groupes armés en l'est de la République. C'est un groupe armé. Donc Kambere, comme tous les gens du FCC, du PPRD, ce sont des gens qui sont à la base, très trahison, bon, ils ont vendu les RDC. Et pensaient que Félix Nzela n'a pas pourquoi on ne respecte pas les accords, parce que Félix a choisi les Congo et le peuple congolais. Pour évanouir jusqu'à ce jour. On va dire Félix. Article 3 hollandais, on va le dire. La justice élève une nation, mais est-ce que la nôtre élève-t-elle vraiment notre nation? Et les téléspectateurs de Congo Unie Télévision, je reçois pour vous Maître Elie Beni Kamalenga, qui est le président du parti politique Action pour la République démocratique du Congo. Action pour un Congo Uni. Ah, Action pour un Congo Uni, excusez-moi. Assez en cycle. Effectivement. Avec lui, il va se présenter encore. Avec lui, on va essayer d'aborder ces sujets qui, aujourd'hui, choquent, si je peux me permettre de le dire ainsi, les Congolais. Les Congolais s'éduisent, mais finalement, parce que je commence avec est-ce que la justice est l'élimination, raison pour laquelle j'ai sur mon plateau le maître qui va essayer quand même de nous expliquer un peu plus en détail ce qui se passe, ce qui s'est passé réellement dans cette affaire de la mort de Charles Bambini. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, bonjour peuple congolais, bonjour aux amis qui sont à la technique. Je salue tout particulièrement les paris cochés du chef de l'État, les seuls et l'unique, le docteur John Kankonda, qui nous suit de quelque part. Je salue tous les Congolais de la diaspora, ceux qui aiment Maître Elie Beni, ceux qui me suivent de plus près, qui aiment bien, qui raffolent nos analyses. Je les salue, je les porte aussi à mon cœur, parce qu'à chaque fois, ils ne manquent pas de réagir par rapport à nos différentes interventions. Je dis merci à vous, madame, pour cette invitation qui a tant manqué, mais aujourd'hui nous sommes là quand même parce que nous avons beaucoup d'occupations, ce qui fait que aujourd'hui, comme on était déterminé, on est venu honorer ce rendez-vous. Bon, à ce qui concerne la question liée à ma présentation d'abord, je suis Maître Elie Beni Kamalenga, président du parti politique Action pour un Congo Uni, ACU, en cycle. Je suis avocat de formation, patron d'un cabinet d'avocats. Je suis communicateur et congolais de père et mère, huitième de ma famille. Donc, il y a tant de choses. Je suis également dans l'enseignement. Mais le plus important ici, nous sommes venus parler République par rapport aux questions d'actualité. Et parmi ces questions, c'est celles liées notamment à la justice dont vous faites allusion. La justice élève-t-elle une nation? Oui, je confirme que la justice élève une nation. Et je dirais même, et je dirais même plus qu'elle est le thermomètre de la démocratie au sein d'une nation. C'est cela, la justice. Est-ce que la nôtre élève-t-elle une nation? Je dirais, il y a encore un grand travail à battre parce que, elle donne encore du fil à retordre au chef de l'État. Parce que ce qu'il attend réellement de cette justice et ce que le peuple congolais attend de cette justice, on n'y est pas encore arrivé parce qu'il y a encore des magistrats, des juges qui se comportent comme si ils ne sont pas payés, ils ne sont pas fonctionnaires de l'État. Donc,
Le chef de l'État donnerait tout pour voir cette situation changer. Et c'est la raison pour laquelle vous avez vu les réformes qu'il a enclenchées avec les processus de la magistrature, avec le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamouleta, qui a fait un travail remarquable. Donc, il faut que les magistrats comprennent le bien fondé de la justice, que celui qui a son droit puisse se retrouver dans ses droits. Que celui qui a tort ait tort. On n'a pas besoin d'une justice à double vitesse où ceux qui sont économiquement forts sont ceux qui, chaque fois, auront raison et ceux qui sont démunis seront victimes quand même si on a les droits. Et c'est de cette manière-là qu'on peut essayer de peindre ce tableau un peu sombre de notre justice Très bien. où il y a encore des choses à faire. Parce que moi-même, je suis un acteur majeur dans cette justice-là en tant qu'avocat. Donc, ça fait plus de 18 ans aujourd'hui que nous sommes en train d'exercer en tant Merci qu'avocat. beaucoup, merci Voilà. beaucoup, mon avocat. Moi, quand même, tu peux affirmer que la justice élève effectivement une nation, mais du coup, tu as passé un dossier où il y a une négociation parce que. Que s'est posé mille et une questions par rapport à les jugements rendus hein, par la Cour de cassation sur citation à la conclusion à Bamou. Il y a Kolobaye à ses suicides acquis. Mais comment se fait-il que, dans l'Union, surtout, va tracer là qui dit Kolobaye va bêtier massa ses trois balles. Dengue Batoualo, Dengue Zalaki, inversion, il y a eu Bosso, va bêtier balle trois. Et puis, il y a la ceinture, il y a protection, il y a véhicule, il y a assassin. Mais comment expliquer-t-il que la conclusion où la justice a perception qu'on a été à se suicider vraiment? Est-ce que vraiment, justice, il y a un cas où le président le banquier est malade, il y a sur le malade, ils ont continué car il est le même dit dans le dossier. Bon, il y a un fait qu'il faut relever, Madame Marlène, c'est que dans notre justice, il n'y a pas que des mauvais magistrats. Nous avons aussi de très bons magistrats. Il y a des bons magistrats qui sont là. On ne va pas les fustiger tous. C'est vrai, il y a du chemin à faire, mais nous avons également de très bons magistrats qui sont respectueux des lois et règlements de la République. Ils sont respectueux de la Constitution. Le Fotolobaké, pour Nkamboyo, chef de l'État, c'est là qui appelle il avait recouru aux enquêteurs indépendants, c'est-à-dire Sud-Africains, Belges, Français, Américains, et même la MONUSCO, pour travailler aux côtés de la justice congolaise. Alors, aujourd'hui, les conclusions et l'enquête, monsieur le procureur, j'ai appelé la Cour de cassation, monsieur Vondé, qui dit que monsieur Okende s'était tiré une balle. Bon, Une seule si une balle. seule balle. Je crois qu'entre les spéculations et les travaux abattus par les professionnels, dont les médecins légistes et autres, du moment où les rapports rendus par la Cour constitutionnelle n'est pas contredit par les enquêteurs belges, sud-africains, américains, français et autres, on doit faire foi à ce qu'a dit le procureur pour la Cour de cassation, parce que trop que nos contredire était parce que ce que Zalaïka a gagné, c'est la justice, il y a un moment où il y a un moment où il y a enquête, à ce moment-là, tout le monde il y a à manger, à boire. Mais cette équipe congolaise n'a pas eu à travailler seule. Elle était aux côtés, elle avait à ses côtés des enquêteurs d'autres pays. Donc, Effectivement, on a voilà. 4 jours, on a payé à boire, à manger, t'es 3 balles, t'es monnaie, c'est beau quand même. C'est que dans ces 4 le bail des gardes du corps, n'aille pas aller, n'aille innocent. Bon, madame, vous savez, dans les histoires de justice, il faut parfois faire très attention. Les gens spéculent, mais la réalité peut être tout autre. Je crois que ils ont recouru aux méthodes scientifiques et professionnelles. Notamment, il y a eu un médecin légiste qui a eu à scruter le corps de notre regretté honorable Excellence Chérubin Okende, ministre honoraire. Ils ont dû certainement scruter son corps. Mais ceux qui vont travailler avec Zalagi 3, nous on va les dire quoi. Mais dans l'image, tout le monde est quand même, tout le monde est qui s'allait mourir, et tout le monde est quand même qui va placer mon Zalagi 3, mais c'est pas 3 balles, on a vu nous tous, et puis Bon. dans le véhicule, il y a tout le monde, les Mais Zalagi. je crois que
Donc, il y a Je crois que chérie, okay, il a pris le temps de descendre à Bedim Bal et la voiture naïe, avant de tourner, avant de tourner, avant de tourner, tourner. Non, mais s'il vous plaît. Non, mais c'est ce que j'ai dit. L'image déjà que vous nous présentez là. Il y a une chose qu'il faut retenir. J'ai dit, il y a eu l'enquête indépendante, hein, qui est, il y a le droit et le devoir de venir contredire le nôtre. Vous comprenez? C'est-à-dire, les Belges de là, les Sud-Africains, les Français, les Américains, hein, la MONUSCO même était là. Donc, s'ils estiment que le procureur général Mvonde ou la justice congolaise n'a pas fait bien, n'a pas rendu le bon, n'a pas donné le bon rapport, il y a bah, les bonnes conclusions, il y a affaire Liwa Okende, pas contredire. Mais c'est aussi simple. Mais ensemble, ils n'ont jamais été d'accord. Mais ensemble, ils n'ont jamais été d'accord. Ensemble, ils n'ont jamais été d'accord. Mais il y a des quoi quand même. Même que une partie de la population n'a pas été d'accord, on a voté. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Oui, mais vous avez tout, donné votre réponse. Tout en compatissant la famille à Okende, à qui je présente mes condoléances pour la énième fois, il faut dire que justice a sali moussala naïe. Mazala qui est mon côté, juste comme les Azaïs est mon côté. Donc, ceux qui ont estimé que le lobby est en côté, alors, tu as invité beaucoup et contredire, alors ça va donner spéculation, de donner droit maintenant à des rapports ou plusieurs rapports, et ça qui pourrait. Donc, je crois qu'on doit faire quand même notre justice serait malade. Et là, c'est faiblesse. Et on est en train de débattre pour que les choses changent. Mais on doit quand même faire foi à ce que le procureur général a donné comme rapport. Parce que ce qu'il faut retenir est que Bazaki Bango Mokote. Vous comprenez? De peur d'être contredit par les autres pays avec qui, les experts des autres pays avec qui ils ont travaillé. Je crois qu'ils auraient dû. Ils vont peut-être chercher à rendre un rapport contraire à ce qu'a donné les progrès général Mvonde. Très bien, en tout cas, voilà, on va passer à un autre sujet. Tout est mis sur l'établissement. Et puis, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en Belgique, justement, pour la Pessinga, qui va nous sanctionner Rwanda par rapport aux accords à protocole signé qui est la chaîne de minerai, hein, l'Union européenne à Rwanda. Mais, juste la question que l'on se pose, pourquoi recourir toujours aux autres? Pourquoi on n'arrive pas nous-mêmes à se prendre en charge? Mais c'est une très bonne question, madame. Je crois que ceux qui comprennent les enjeux géostratégiques et la place qu'occupe le Congo dans le centre du monde, ils comprendront que le Congo, depuis 1885, avait d'abord été considéré comme étant un marché commun. C'est ce qu'on appelait les bassins conventionnels du fleuve Congo, où il y a la plupart de ces superpuissances de l'époque qui, aujourd'hui, continuent à s'abreuver chez nous, venaient faire leurs aventures et les Congolais, les Autochtones peuvent souffrir, ce n'est pas leur problème. Vous comprenez? Et lors de la Première et la Deuxième Guerre mondiale, on nous a doté le statut de neutre. On pouvait être ni on pouvait être allié à aucune puissance à l'époque. Vous comprenez? Donc, c'est également lié de dire que la guerre qui sévit à l'est de la RDC dure aujourd'hui. Et c'est depuis 1994, soit 1994, que Bill Clinton, le président des États-Unis, a conservé un plan de déstabilisation au cannabis parce que bah, il a besoin de matières premières stratégiques où ils ont fait fonctionner la manufacture dans Bango. Et pour ce faire, ceux qui aux 8 ans et autant, et là, on va bien les protocoles de sa gestion, on comprendre comment le monde est dirigé par un machiavélisme sans fin, par un esprit démoniaque qui anime ces gens-là. C'est-à-dire, ils peuvent décimer tout un village parce qu'ils ont besoin de prendre un objet de valeur dans le village voisin. Ils vont ici, ils déciment tout un village. Au bas au prétexte, il y a Rokota Koto. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 1994. Donc, vous allez comprendre que Bill Clinton a créé l'Okwana. France, comme Azara, toujours exécutant. France a yé avec opération turquoise. Bah, font le corridor humanitaire. Soit disant, pour la co-sala, l'action humanitaire permettre que
ba réfugié ba déplacé rwandais bazo ki ma guerre ya génocide ya Rwanda ba le kapana biso. Alors que en réalité c'était des hommes armés rwandais qui entraient chez nous pour déstabiliser notre pays. C'était un plan bien ficelé. C'était un plan bien ficelé. Et donc faut comprendre que depuis ce temps-là nous avons connu la mort de Habyarimana, qui est un chef de l'État. Et quelques années plus tard, on connaîtrait la mort de Mobutu et un autre chef d'État. Il y a déjà 3 chefs d'État qui sont morts dans le plan Amangwana. Et donc, aussi pour vous dire que Bill Clinton, bah, il y a la jeune Amangwana, il y a un petit peu de biseau. Dans son Kabila, il y a un petit peu de déjoué, Non. Kabila, c'est un patriote qui aime son pays, qui est venu quelque pour part. Il y a deux Kabila. On parle de quel Kabila? Je vous parle de Moïse Kabila d'abord. Nous sommes Joseph Kabila. Joseph Kabila est arrivé au pouvoir en 2001. Hein? Mais son père, c'est en 97 qu'il est arrivé au pouvoir. Parce que on est d'abord dans la genèse à l'Ikambo, en 1994, Tiko Yakoukouma en 1996-97. Donc, ça veut dire que pendant tout ce temps-là, plan à Bangoué, c'est une exécution. Ils ont été pris, mais entre-temps, on viole nos mamans, minerais Okende, on tue nos frères et sœurs, nos enfants. Bande de soit Est, Bazo Koufa, ce n'était pas leur problème à eux. Mais et, il n'y a pas de Tutsi congolais ici. Bon, écoutez. Les Tutsi congolais, les vocables Tutsi congolais a été utilisé pour la première fois en 1976. Ce sont des inventions ya bande ko na biswana oyo bayaki pour bazoki ma baguerre pa na bango, ba sali concept na bango na soi-disant Munyamurenge alors que avant 1960 tout ça tribu Munyamurenge pa na biso ezala raté. Mais nous les avons accepté tout vendre na bango parce que nous sommes un pays hospitalier. Vous comprenez? Alors, pour te dire que ba noir nyons obayebaka eloko wana lorsqu'on a on a eu un tribunal pour le génocide rwandais, tous les noirs qui étaient au courant du plan là, Bill Clinton les a fait tuer ba kufa ba nyons. Mais mindele batikala, c'est un juge australien qui a révélé ba vérité wana nyons. Et c'est comme ça que vous voyez lors de points de presse conjoints entre les chefs de l'État congolais et son homologue français Macron, il a eu l'audace. Et on se permet d'aller que ce n'est pas la faute de la France. Si depuis 1994, à ce jour, votre administration ne fonctionne pas, ce n'est pas notre faute. Si depuis 1994, votre administration... Non, j'en arrive. Que si votre administration et votre armée ne sont pas organisées depuis 1994, ce n'est pas notre faute. Or, comprenez que ces donneurs de leçons, qui sont à la base de l'instabilité, de déstabilisation en Bokanabiso. Ils font quoi? La France, toujours en avant-plan. Lorsque ils nous ont imposé maintenant les systèmes de mixage-brassage, où vous avez les caporaux et les sergents de l'armée rwandaise, qui convient imposer chez nous ici, comme des généraux, des colonels. Vous comprenez? On a infiltré notre armée, on a déstabilisé notre armée, et Kabila arrive, il détruit d'abord tous les centres de formation de la police, fils, à détruire l'Union Sokibomango, Zakia Rukufa, Kitona, Nani, ouais, Kananga, Nini, Efo Kananga, partout, Oebaï, qui ont formé ma militaire, la mission, il avait détruit systématiquement. Pourquoi? Parce que. Régime où il dit qu'il y a un plan où les amis, il y a corps, il y a dit ça, biba. Et qui, bah, on va dire qu'il y a un déjà, moi, schéma, mon gosse, qui est un lala qui est schéma, wana, mais en cambo, surtout, il y a un monde à être, on est monde. Cambere, c'est un traître. Cambere, c'est un traître. Pour le cas où c'est une sanction, il y a un monde. Cambere, c'est un traître. Parce que lorsque nous parlons nation, si c'est dit congolais patriote, il ne peut pas tenir un tel discours. Je vais vous faire une démonstration ici. Des choses, j'aimerais la voir ici en face de moi, Kambere, pour qu'il me dise ce que tu dis là, qu'il fallait un schéma. Quel schéma? Parce que. Le schéma, où il y a vente, il y a Mboka. Je vais te démontrer. Attendez, je vais te dire, madame. Il y a l'accord qu'ils ont signé avec les CNDP. Dans cet accord, qui est la continuité de l'accord de 2013 avec les M23?
Je vais vous donner l'économie de cet accord-là, de 2000, l'accord de 2009, signé par Joseph Kabila en 2009. Article 1, et le Biboui, céder 43% des postes de commandement militaire au Nord Kivu et 39% des postes de commandement militaire au Sud Kivu à la seule communauté toute. Est-ce que Kambere peut se permettre de parler? Parce que problème de la moyenne. Er bango ba sali ba venture ba mona côté ka est la République. Ah, et lorsque Tshisekedi Félix Tshisekedi est élu en 2019, en 2018 plutôt, eux pensaient qu'ils ont à voir à quelqu'un de manipulable, un pantin, l'effet placebo, un stagiaire comme ils l'ont appelé. Bah, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Bah pour la banque, on va penser qu'il était à mon tour à cause de 6 mois. À cause ça, ceux qui mouquaient, ceux qui bêlaient une année, alors ils quittent le pouvoir, bah continuent le chemin la banque. Comment est-ce qu'on peut donner 43% des postes de commandement militaire à la communauté toute au Nord Kivu et 39% à l'autre? Ça, c'était l'article 1. Article 2. Création d'une nouvelle police de frontières sous le commandement de M23 afin de protéger, de les protéger. Bon, encore, il y a CNDP. Article 3. Décréter la partie est du pays, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Haute-Uele, Maniema et Tanganyika comme étant une zone sinistrée et bénéficiera d'un statut d'administration particulière, d'une autonomie, d'autonomie fiscale, financière et économique, d'un concept sécuritaire particulier sous la gestion du M23. Sous la gestion du M23. Vous comprenez? C'est-à-dire que, encore il y a 2023, que Kabila a fait signer, ça a été signé dans quel contexte? Comme bah, mais ça a déjà un bilan de brassage, mixage. Bah, si vous avez que Rwanda a géré ma réunion, bah, ça a été pour que je sois en Boka, et ça a particulièrement dans ma Boka, surtout à l'Est de la République. Maintenant, en encore en 2023, qu'est-ce qu'il a dit? Kabila a accepté il a accepté d'achever tous les points convenus dans l'accord de 2009. Et c'est ce que tu vois là. Les points convenus dans l'accord de 2009, c'est ce que tu vois là en 2013. Et ce qui a conduit à dire que Non, on s'est défait du M23 2013. Oui, mais c'est la même la question que je voulais poser. C'est justement, voilà, non, c'était un arrangement machiavélique démoniaque que les Kambere qui. Comment alors qu'il y a 345 groupes armés à l'est de la République? C'est un mensonge. Donc, Kambere, comme tous les gens du FCC, du PPRD, ce sont des gens qui sont à la base à trahison en Bokanabiso. Ils ont vendu les RDC. Et pensez que Félix Anzela n'a pas. C'est pourquoi on va le voir. Non, il ne respecte pas les accords parce que Félix a choisi les Congos et les peuples congolais. Preuve en est jusqu'à ce jour. Comment on va dire Félix Article 3 au Hollandais, on va le dire. Décréter la partie est du pays, nord-sud, nord-kivu, sud-kivu, Ituri, Haute-Uele, Maniema, Tanganyika, hein, comme étant une zone sinistrée et bénéficiera d'un statut de gestion particulière. Donc, un État dans un État. Soyez déjà, vous avez la gestion, l'autonomie de gestion fiscale, économique et financière. Ça veut dire que vous êtes un État dans un État. Et mais qu'est-ce que dit Kambere de toutes ces choses-là? Vous avez l'article 4. Les M23 dont les administrateurs du territoire et leurs adjoints. Les maires de ville et leurs adjoints. Les bourgmestres et leurs adjoints. Les directeurs des régies financières et leurs adjoints. Et les chefs de division finances, budget, plan, aménagement du territoire, économie. C'est M23 qui donne. Hein? Ça veut dire que le pays ne peut pas espérer produire de l'argent. C'est-à-dire, vous avez un DGI. Vous avez DGDA. DGRAD et autres. Hein? C'est eux qui gèrent ça.
L'administration du territoire, c'est pourquoi mon nom va appeler ça l'éternel ministre d'aménagement du territoire. Pour va forger. Organiser, il faut forger, miner, pour l'ouvrir. Et comment mener tout ça parce que il y a qui va organiser Mboka. Nous en arrivons, madame. Sous le régime. Kabila. Oui. Alors, nous avons là, à l'article 7. Mais je ne sais pas, comme Félix Azoko Kanaema Kamouté, la population réclame le retour de Joseph Kabila, puisqu'il est toujours. Il est toujours prêt à servir son pays. Kabila n'a pas aimé le pays un seul instant. Ça, je vous l'ai dit. Kabila n'a jamais aimé le pays un seul instant. Madame, je vous l'ai dit. Moutro aïe, vous savez, un service public, il est créé pour servir les besoins d'intérêt général. N'est-ce pas? Lorsqu'on te nomme bourgmestre, on te nomme ministre, on te nomme gouverneur de la ville, c'est pour servir l'intérêt général et servir les peuples congolais. Lorsque Kabila a eu Abomi Silou, Abomi Sinat, hein? Donc, Biloko Nyonsona Kabila Abomi a créé les mêmes sociétés avec les mêmes objets, les mêmes profils. A tini ba peuple congolais na chômage. Aujourd'hui, a tiki Félix Moussala Mounene, Félix Ayapo, a sa chômage et tout ça, mais c'est le travail que Kabila a fait, c'était seulement pour tuer toutes ces sociétés que Mobutu a laissé. Tu as compris? Que Mouzé a trouvé aussi, a laissé, mais Kabila a tout détruit. Vous vous comprenez? Nos militaires étaient formés dans le Kibomango, dans le Kito, dans le Foka, dans le partout ailleurs. D'ici quand nous sommes à Boma, les soldats congolais n'ont pas d'identité. Ils n'ont même pas une feuille de discipline que non. Bon, il faut nommer soldat, mais que non, bah, identifié, il était discipliné, indiscipliné, place à Zaga, c'est un tambour. La police, l'armée, la police, exacté. Tout ça, Kabila détruit. Donc, c'est pour te dire que quand tu dis que les peuples congolais réclament Kabila, on réclame Kabila pour avoir fait quoi? Tout le monde a dit, tout le monde a dit, tout le monde a continué, tout le monde. Ok, allons-y. Article 6, c'est le Bible. La réalisation des points d'accord relatifs à la réconciliation, à la cohabitation pacifique et à la cohésion sociale dans les zones sinistrées, se fera par les M23. Est-ce que Zolanda? Mais il y a un article Zolanda. Article 16. Reconnaître formellement les grades militaires et policiers au M23. C'est le combat actuel. Lorsqu'ils refont surface en 2022, hein, alors que si ça gagne en 2013, mais en 2022, parce qu'on refait surface, pourquoi? Pour exiger du président dialogue. Pour pas reconnaître ma grade militaire, d'abord, on va ça sur ma infiltration. Le chef de l'État était très clair. Le chef de l'État était très clair. Mais vous trouvez contradiction? Non, ce n'est pas, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Le problème, c'est que les gens qui veulent imposer leur discours, bah, les discours, bah, on va imposer, peuple à retenir, en à la bonne, à bonne. Je vais te dire une chose. Lorsque Kabila a donné les passeports aux dirigeants de M23. Hein? Ils sont venus, il y a nuitamment, il y a passeport congolais, nuitamment, il y a avion, il y a visa à l'ambassade d'Italie, il y a poto. Vous comprenez? M23 est comment un mouvement politique? Comment un parti politique? Je crois que vous voyez bien, madame. Vous êtes de la presse, vous savez ça. Ainsi, hein? On s'est dit que parce qu'ils ont dit qu'en 2013, Batiki Mandouki a commis la politique active. Ça dit que ce sont les gens qui sont normaux. Mais ceux qui battent, messani comme ça, l'amboka chantage, dans ma aventure, à chaque fois, ils partent, ils reviennent avec des conditions, non mixage, brassage, vous devez reconnaître nos fonctions, vous devez nous donner toutes les régies financières, les postes des administrateurs des territoires, leurs adjoints, tout ça. Donc, il faut comprendre que le pays est en danger. Oui, mais maintenant, il y a un article. Article 14. Mise en place d'une commission d'enquête afin de poursuivre les militaires de FRDC. De poursuivre les militaires. Comment un président Oyozoloba aligne Mboka? Hein? Aligne Mboka. Que le peuple congolais va se réclamer. Il décide pour que l'armée rwandaise qui est entré chez nous sur l'étiquette de M23. Hein? Bango, bati que la bamba m'a réconciliation. Non, bande l'article 14. Oh, hein? Babi, le 14 et le Bénin. Mise en place une commission d'enquête afin de poursuivre les militaires des FARDC. Mais c'est extrêmement grave. Mais il y a un article 6 au total qui a pas Babi.
La réalisation des points d'accord relatifs à la réconciliation, à la cohabitation pacifique et à la cohésion sociale dans les zones sinistrées se fera par les 1.23. Mais à l'article 14, Babilini va poursuivre, va faire commission en place pour va poursuivre les militaires FRDC. Donc, on se comprend de l'Ogwana. C'est extrêmement grave et les Congolais doivent connaître ces choses. Ceux qui pensent que Kabila est un sauveur, ceux qui pensent que Kabila avait bien géré, ils se trompent parce que Kabila, c'est le mal même avec toute sa famille politique. Vous comprenez? Alors, article 9. Le gouvernement accepte d'amnistier les combattants du M23, soi-disant pour faciliter la réconciliation. Mais comment vous voulez poursuivre nos vaillants FRDC? Balamboka, Bama, Pingamboka. Bon, poursuivre Bango, mais basse à la réconciliation, bas amnistier. Madame. Donc c'est pour te ça dire veut dire que Félix a des pains sur la planche. Non, ce n'est pas que... C'est pour dire... Maintenant, là, c'est Namba qui est à la tête non. Du 23. Non, j'ai dit ceci. Vous savez que, quoi qu'on puisse recruter Namba, ou Jean-Jacques Mamba, ou Francine Mouyumba, comme on l'entend. Non, ou... non, c'est Francine Mouyumba, non. Il a, non, on a appris qu'elle aussi serait dans les rangs. Ou qui, Adam Chouale, ou n'importe quel Congolais qui a décidé de rejoindre les rangs de M23, il faut dire que ce sont des marionnettes recrutées par le Rwanda pour légitimer son action au Congo, afin de dire que bah, Congolais, bah, zomouda, entre bah, mouna, bah, mais Otolanda, notre ambassadeur près les Nations Unies, n'a conseillé à sécurité qui a mis KO le Rwandais. Les prétextes qu'ils trouvent pour venir combattre chez nous, c'est pour justement venir sécuriser la minorité toute. Mais vous vous dites que les Tutsis sont des Congolais. Mais entre-temps, nous, on a 450 tribus ici. Nous vivons en harmonie, nous vivons en paix, nous sommes entre nous. Mais en Rwanda, il y a 3 tribus à PAM. Nous, on n'a pas d'ailleurs au bout de ça. On a protégé Tutsis. Comment? Si tu les traites des Congolais. Mais minorité tout, tu vois, parce qu'il y a un monde avec le président, c'est la protection à président. Je ne sais pas si ça sera. Ce sont des théâtres, ma chère. Ce sont des théâtres. Vous allez comprendre. Nambokoyo, Bisso, tout ça, là, tout yambara, papa, y a bien. Hein? Est-ce que toi, tu te dis que quand tu réveilles le matin, tu t'attaques à tes voisins? Hein? Dis-moi, quelle est la tribu qui est majoritaire au Congo? Y a-t-il une tribu majoritaire au Congo? Tu en connais une? Justement, dites-moi, peuple congolais, tout nana. Est-ce que les tribus sont majoritaires dans le Congo? Toutes les tribus sont minoritaires. Et les Congolais, on a appris à vivre en harmonie. Prévanez, les Balou vont manger les Pondou, les Yom vont manger les Bitoto. Oh, les Amoboya, oh, Bazolia Kwangantiesa, oh, Bazolia Fumboa, oh, Bazolia Boué. Mais ensemble, à Kinshasa, on a appris à nous mixer et à manger tout ça. On s'accepte mutuellement entre nous. On a tout mangé. Voilà. Donc, c'est pour dire que, entre Congolais, entre les tribus du Congo, entre les ethnies du Congo, nous n'avons aucun problème entre nous. Mais la bonne option serait quoi, finalement? Est-ce qu'ils avaient une négociation comme. Il y a loin des zones qui vont remettre en surface. Mais est-ce que la bonne option serait quoi? Merci beaucoup, madame. Madame, merci beaucoup de poser cette question-là. Il y a un aspect qu'on n'a pas effleuré. Bien quand même, on avait déjà commencé. Je vous ai dit à l'entame qu'en 1994, soit 94 pour les Français, Bill Clinton, hein, la communauté internationale a décidé qu'il y a un côté de panabiso pour qu'il y ait un minéré. Depuis tout ce temps, on s'est demandé, mais Rwanda, où est-ce que vous avez dit Congo? Boni, boni, vous avez dit que 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 vous avez dit Rwanda? Pourquoi vous sanctionner Rwanda? Mais grâce à la perspicacité, à la diplomatie agissante, il y a le gouvernement congolais, avec un certain le chef de l'État, on a fini par comprendre que derrière le Rwanda, il y a les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, la Pologne, le Canada même. Parce que Rwanda, azana coltan tina mabile nae, azana lithium te, azana uranium te, azana ba matière stratégique au bazos net accord ba tout cela union. Et ça se comprend.
Maintenant, pourquoi Aza premier producteur mondial à or, il y a coltan, ou Aza n'a pas été naïté. La société canadienne Rio Tinto, bah, tu as signé un accord à partenariat pour l'exploitation de lithium dans Rwanda il y a deux, trois mois ici. Mais est-ce que Rwanda a ça? Vous comprenez? La société américaine a besoin d'exploiter le coltan. Va signer dans Rwanda, va payer 900 millions de dollars pour l'exploitation du coltan. Est-ce que ça a ça? Mais si tu vas dire à la banque, c'est pour vous dire que la communauté internationale, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis et autres, ne pas aller dans le Rwanda. Vous comprenez? Parce que Hernani, Macron a joué au Sagan tout un peuple à pouvoir baquer. Ils ont faute, ils ont depuis ceux qui, depuis 1994, ils l'ont organisé l'armée, ils organisé la police. Or, ils imposent le chef de l'État, ils ont poussé à qu'il y ait un dialogue. Vous comprenez? Le chef de l'État, Abunda, Bundit, il a réussi, embargo est quoi? Régime à notification est quoi? Donc, tu consommes ma arme. Donc, Batali modèle, Félix a aussi ma mandouki. Alors, c'est mon armement. Bataille, non, ils ont son motif que type ont préparé guerre. Maintenant, phase à guerre. Hein? Bah, Monica, il est comme irréversible. Maintenant, on pousse. Il y a un processus à Luanda aux Zoloba. Il y a Nairobi. On pousse le chef de l'État dans le dialogue dans Rwanda. Mais on va dialoguer dans Rwanda sur base de quoi? Parce mais que la RDC. On ne peut pas négocier, dialoguer avec le M23, mais plutôt avec le Rwanda. Ah, mais je crois que. Il faut tout manier la place, on a, parce qu'il y a des gens qui interprètent très mal ces choses-là. Lorsqu'on dit que Ali pour négocier dans Rwanda, maintenant M23, c'est après avoir compris qu'il a affaire au Rwanda avec son armée sur le territoire congolais et non M23. Parce que lorsqu'ils sont allés à Nairobi, arrivé à Nairobi, c'était, il a fait face à Kagame. Est-ce que tu as vu un représentant de M23 venir pour signer avec Félix? Non, c'est Kagame qui se pointe. En quelle qualité? C'est ce jour-là que le monde entier m'a dit que le père fondateur est M23, l'autorité morale M23, c'est Kagame. Voilà pourquoi le chef de l'État dit non, s'il faut négocier, je négocierai jamais avec le M23, je négocie avec le Rwanda qui est sur le sol congolais. Parce que il n'y a pas une semaine ou une semaine et demie, vous avez vu sur la RTNC les militaires rwandais capturés. Oyo, Azaro témoigné, qui m'a eu formation une année. Bazaba Rwandais, comme Baya pour la Obunda. Et Bazaba, ils viennent ici, ils meurent. Chaque jour, ils ne savent pas pourquoi ils viennent mourir. Oui, mais la bonne option serait quoi? C'est vrai que les chefs d'État imposaient quand même, les amis. Non, la bonne option, la bonne option, le chef d'État l'a dit. Négociation, oui. Mais nous nous défendons sur terrain. Il y a la guerre au Congo, tous au Bunda. Mais négociation, là, il est resté. Il est resté de marbre ferme sur sa position. Na ba tribune nyo soya kei, na ba instance nyo soya kei a lobby ke biso s'il faut négocier, l'obisso za kaka moko Rwanda bimanamboka na biso. Vous vous comprenez? A retiré Arménie na sol na biso. Tu comprends? Parce que soto bito sala politique à chaise vide, on va continuer à laisser Rwanda prendre de l'avantage sur nous. Mais c'est pourquoi les Congolais doivent comprendre. Si le chef de l'État est omniprésent dans la Soana, c'est pour justement faire entendre la voix du Congo. C'est parce que le travail, la voix du Congo doit être entendu partout où l'affaire du Congo est. On a encore besoin de faire attendre. Attendre quoi comme quoi? La voix, oui, vous avez dit faire entendre encore notre voix. Mais justement, nous connaissons déjà ministre sommet à Addis Abeba. C'était organisé par rapport à la RDC. Oui ou non? Il fallait RDC qu'elle était. Tu comprends? Il fallait que la RDC soit là. Parce qu'arrivé là-bas, on les a mis KO. Tout à l'heure, ici, Mumba clairement que Rwanda doit sortir chez nous. Mais entre-temps, nous dénonçons aussi ceux qui sont derrière le Rwanda. Au Bazaï, là, invisible. Aujourd'hui, ils sont démasqués. La France est démasquée. Les États-Unis sont masqués. L'Angleterre est masquée. La Pologne, qui est le siège militaire de l'OTAN. Au Bazaï, a menacé Bissoké, Austin, Rwanda. Nous comprenons que c'est les États-Unis qui sont derrière parce que la Pologne est en attaque pour menacer Bissoké.
Et tout ça, il faut tous aller pour nous redonner, pour nous relever. On ne va pas les laisser, ces gens-là, prendre des avantages sur nous pour ma cause. Parce que quand même, nous sommes là, nous sommes là. Il est aux États-Unis à condamner à l'Obilin. Il envoie son ministre des Affaires étrangères aux États-Unis. Aux États-Unis, il va clarifier la position là-bas vis-à-vis de ce comment, comment côté de la RDC. Mais c'est ça. Parce que je me rappelle très bien à l'époque, il y a Obama, quand Obama donnait l'ordre dans le monde à qui Kagame exécutait. Mais cette fois-ci, Kagame n'exécute. Mais sachez qu'aux États-Unis, nous avons les démocrates et les républicains. Obama, ça m'a abordé. Démocrates? Donc, quand les démocrates sont au Congo, au pouvoir, Joe Biden, Congo, c'est un démocrate au Congo, aussi. Non, mais celui-là, Azan a pu sauter. Mais quel est le partenaire fiable pour la RDC? Le partenaire fiable pour la RDC, il y a certaines questions qui sont d'ordre stratégique. Le gouvernement est là. Qui sont les partenaires stratégiques pour à travailler dans Bango pour l'intérêt en Boka. Vous comprenez? Alors, pour ce qu'il faut retenir, le plus important est que Mbalo Tukunabo, donc Baron met la paiement. Tukunabo. Merci beaucoup. Merci, Maître Elie Bénis. L'émission est finie. Juste un mot de la fin rapidement. Non, le mot de la fin, c'est d'abord dire merci au peuple congolais qui nous a suivis et tous les téléspectateurs de cette émission qui vont nous suivre à travers YouTube. Dans la diaspora occidentale, des États-Unis, Afrique tout entière, et le Congo profond pour comprendre que le pays est en danger. On ne va pas rester silencieux, laisser l'ennemi continuer à gesticuler, monter, entrer et sortir. Il faut que les Congolais soient informés. Et merci d'abord, Onyo, pour soutenir le Congo. Parce que, madame, l'élo na minute, Félix a combien d'avantages 5. Ah, peut-être, y habite. Ça dit que, d'abord, le premier avantage, c'est la diaspora. La diaspora, elle est plus que debout, dénonçant partout aujourd'hui, ce qui fait que l'opinion intérieure, il y a France, il y a Belgique, il y a Angleterre, il y a États-Unis, preuve en est, Hollande qui, dans le Parlement, il y a Britannique, il y a des députés, il y a Fukamaki, parce que, si nous, hein, il y a dénonciation que vous êtes silencieux, vous ne réagissez pas. Le Rwanda est en train de tuer au Congo. Donc, Batouana Nyonso. Et puis, deuxième avantage, c'est le peuple congolais. Vous comprenez? Troisième avantage, c'est l'Afrique du Sud et la SADC aujourd'hui qui sont à nos côtés. Au Bazo Salake, tout démystifier, plan Yabanguna, au Yobaye, hein? Pour avoir tout comme on a besoin de copier ma ressource n'a besoin. Quatrième avantage, oui, Bizani. Bizani. Bah, on y a un so bazalara kolobate. Oh, tout le monde a dit que bazalara kotoukaneti ma cardinal Mbongo aujourd'hui, il lance un appel vibrant. Il y a kota il sabato que tout ça derrière mon konzamboka pour que tout venir à bout de l'ennemi qui est plus que déterminé. Alors, Yasuka, tout le monde, madame Ezani. Yasuka Ezani. La communauté internationale a commencé à comprendre. Et boulou et kekou, tu m'as cassé. Hypocrisie, hypocrisie. Non, hypocrisie, la maman, ils ont démystifié. Ça a été déballé, rendu public. Donc, c'est pour te dire que nous n'avons plus le temps. Il y a Oezaki, base au rabisso avantage. Mais les Congolais sont debout tous les jours aussi, qui revendiquent, qui dénoncent, qui font des marches. Hein? Et en réalité, vrai, c'est cinquième avantage, les alliés, Oyo, ma marche, je suis allé, ma wana. Na bambassade, c'est même pas na biso, na poto, des cinquième avantage. Y'a un de ça là, que l'éloyo, Rwanda, asphyxié, États-Unis, Oyo, azo sa la hypocrisie, a mis bien un partenaire privilégié entre temps. Il est derrière le Rwanda qui l'arme, qui le donne l'argent et les armes et tout ça. Bah, on comprend que le Congo aujourd'hui n'est plus seul. Hein? Sixième avantage, Zanzambe. Merci beaucoup, Maître Elie Bénis. En tout cas, fidèles téléspectateurs, laissez-nous un petit commentaire, likez, partagez cette émission. Merci pour vos encouragements, pour vos messages d'amour. En tout cas, on se retrouve prochainement.